Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Rwanda, ha, your name is Il était en train de donner l'extrait de casier judiciaire de la vieille chouette de Titi Pantalon. Nous avons une femme qui s'assoit sur les réseaux pour répondre à une petite sœur Oshiga en plein démarrage de relation avec Amer Amer. Qu'est-ce qu'elle trouve à lui dire? Que elle les hommes. C'est pour ça que je regarde, je dis mon Dieu. Elle les hommes, quand elle regarde un homme, elle est en amour. Elle aime être en amour avec un homme. Et elle, pour connaître qu'elle est en amour, elle regarde la taille de l'homme. Quelle est une femme qui est en amour, elle regarde la taille de l'homme. Elle regarde ses pieds et là, elle peut avoir l'amour, elle peut faire l'amour. Ça dit, c'est critère de choix. Mais attends, mais c'est appuyé de rien, ma vieille chouette. Tu vois que c'est une femme qui est seulement assise pour encaisser. Moi, l'homme, je regarde l'amour, je regarde la taille, je regarde ses pieds et puis je peux faire, je suis une femme, je suis en amour, je suis sens. Donc, elle voulait dire que Oshiga a fait le mauvais choix. Donc, elle tient son pantalon, elle regarde l'amour, elle regarde la taille, elle regarde les pieds. Mais attends, tu étais aveugle quand tu voyais Papa Fondja. Hein? Mon numéro est épinglé. Tu étais aveugle quand tu voyais Papa Fondja. C'est la question. Je pense. Parce qu'il n'a pas la taille. Peut-être que c'est ses pieds alors lui. Tu as fait 13 ans hein, d'aide moi à rester. Tu l'as aidé à rester pendant 13 ans. Et s'il te plaît, ce que tu trouves en l'homme, ce que tu décris sur lui, ce n'est pas l'amour que tu dis. Tu dis quelque chose et son... Mais entends-toi parler. Pendant que je suis en train de vous parler, mes chers internautes, je m'entends parler. Faites un exercice de s'entendre parler. C'est très important. Ça, quand vous finissez un direct, vous n'avez pas besoin de supprimer parce que vous êtes entendu parler. C'est plausible, c'est la coulance. Tout le monde peut regarder. Vous comprenez? Tu dis que tu l'aimais, tu étais avec lui parce qu'il s'occupait bien de ta fille adoptive. L'enfant que tu es parti au pays. L'enfant que tu as carillon au pays. Il s'occupait bien de l'enfant que tu as carillon au pays. Oui, madame, c'est pour ça que tu es resté avec lui. Donc, en fait, il était un papy sister. Un boy sister. Il était le gardien pour garder l'enfant. Pourquoi tu n'as pas fait ton waka? Oui, madame. Ce n'était pas ses pieds. Ce n'était pas sa taille. Il ne faut pas nous embrouiller. Ce qui sort de ta bouche là, il faut t'entendre quand tu parles. Tu as me dit que mon mari, quand on danse, on ne se regarde pas, on n'est pas en amour. J'ai besoin de prouver l'amour sur mes temps, ma chérie. Je n'ai pas besoin. Je te rappelle que le voyage de Paris s'est dessiné mardi et mercredi, j'étais dans le vol et mon mari a approuvé mon voyage. C'est ça qu'on appelle une femme mariée. Son mari est avec elle. Tu dis bien, un homme que tu aimes, que toi, tu dis au Chica, que toi pour regarder un homme, tu regardes ses pieds, tu regardes, elle a dit quoi, la taille, et que tu as un amour, ton cœur bat l'amour, ou c'est quoi que tu as dit là? Papa, tais-toi, hein, si tu n'as rien à dire, je t'ai dit, fais le blow que tu danses, tes fausses danses, comme tu places tes pains, parce que même ta danse, tu fais comme ça. Je dis, à quand on dansait, tu étais même où? Ah non, tu vendais le piment. Tu rassemblais l'argent pour faire le beau Gabon, Guinée, machin, pour arriver jusqu'en France. Et comme tu es en train de errer. Nous sommes à la fin du mois. Ne partez pas chercher l'argent pour payer le loyer. Les bailleurs vont vous mettre dehors. J'espère que Mbongo, comment on l'appelle? Mbongo Indi, Ngomopion, est en train de travailler l'argent. Parce que à la fin du mois, Cécile Demar ne va pas payer le loyer ce mois-ci. Cécile Demar que prêter mon livre. Elle t'a vomi. Tu as payé le loyer. Moi, mon mari, il travaille. Donc mon mari paye où? Paye l'hypothèque. Nous, on a un thème hypothèque. Depuis des années, longtemps. D'accord? Est-ce que tu comprends avec quoi? Bongo Indi, ne reste pas là, tu fais retranscrire le direct, ça ne donne pas l'argent. Moi, je suis monétisé. Quelqu'un vient de vous parler comme ça, il y a l'argent qu'on met sur ça. Kabila, non.
Donc, je finis de vous parler gentiment et poliment. Je ne suis pas en train d'insulter. Je dis, je prends les faits saillants de ce que vous avez dit. Je vous retourne ça gentiment. Et je vous donne les conseils pratiques. Parce qu'il ne faut pas que, quand le bailleur va te mettre dehors, que tu vas dire que, hein, tu dois aller travailler. Donc, j'espère que pendant que tu retransites, tu places la caméra et tu prends les clients. Tu vas faire comment? Tu vas mettre mute. Parce que le client va, quand il va commencer à faire les bruits dans vos séances de, hein, on va entendre le bruit dans la retranscription. Puis quand je dis que vous me dites, vous allez faire comment avec celle qui tue dans mauvais rêve comme moi? Tu te lèves une femme, tu es debout, tu dis que tu es la, tu es quoi la, la Poutine, la Russie, la ceci. Flo s'est placé devant toi dans le journée de paix et te dit que tu ne prononces plus la Russie. La Russie n'existe plus. Que c'est les Lomaya. Et toi, tu as dit oui, c'est les Lomaya. Ah, Flo, envoyez les cœurs pour Flo. Pardon, comme Tachou, mets les cœurs pour Ngoï. Pardon, comme Tachou, mets les cœurs pour Ngoï. S'il te plaît. Parce que Flo connaît, c'est-à-dire qu'elle connaît Méné, ses collègues pimentiers là, un genre. Dans le piment, non, elle a la plus wise des pimentiers de la planète. Flo Oulen, tu connais ma fille. Pardon, j'étais les cœurs. Tchou, pour Flo, les cœurs, pas les riz, les cœurs. Ouais, vous êtes où non? Pourquoi vous êtes chiche comme ça? Merci Dorothée, mettez les cœurs pour Flo. D'accord? Je dis que mettez les cœurs pour Ngoï. Pour Ngoï, s'il vous plaît. Parce que Ngoï est bonne. Elle s'est mise le jour de la paix. Elle a dit à Tintin Pantalon que la Russie n'existe. Elle a tué. Je vous ai dit que la Russie est la Russie de Nkwaba. Elle a dit qu'il n'y a pas les Russes. C'est le Lomaya. Tintin aussi a dit oui, c'est le Lomaya. C'est vrai. Dans les vidéos. Donc elle dit de Flo en solo. Elle vous fait déclarer les choses et renoncer à ce que vous avez travaillé des années comme ça. La Russie est devenue la Russie de Nkwaba depuis 2 mois. Aujourd'hui, dans les pays de l'autre jour, Flo a dit que. Il n'y a pas de Russie, c'est le Lokasinga. Elle m'a dit oui, c'est le Lokasinga. Et ça s'est arrêté comme ça. Ah, mouf. Quand Flo même s'assoit, dit qu'elle est patronne. Et puis, Bami, dit que tu es patronne des Samsung, des Mbok, des Facebook Waka. Oui, puis Bami a accepté. Ne refusez pas. Parce que la fille la connaît maintenant. Oh, il y a un nom, elle. Flo l'aime Facebook en bas. Ma ressort aussi, là. Vérité vraie. Flo l'aime Facebook en bas. Flo l'aime Facebook comme il se doit. Flo l'aime Facebook comme il se doit. Yes. Envoyez les cœurs pour Flo. Elle dit que les cœurs, c'est pour toi. Non, sur le coup, là, il faut donner les cœurs. Parce que quand quelqu'un excelle dans quelque chose, il faut reconnaître. Nous sommes honnêtes. Nous sommes dans la team de la logique et la vérité. Donc, les cœurs angouillent. Un peu de cœur n'est pas mauvais. Ce n'est pas tuant. Ce n'est pas méchant. Donnons les cœurs à Ngoï. Ngoï connaît sa tête sur mes temps, je vous jure. Ngoï a dit à la fille qu'il n'est pas question. La Russie n'existe pas. La fille, elle m'a dit que oui, la Russie est morte. La fille a accepté devant la patronne à qu'un. La Russie est morte. Voilà. Merci, façonnable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons en face de nous une femme, une jeune femme de 43 ans, qui est très, très jeune et très petite, qui se passe pour une jeune. Mais quand elle parle aux gens, elle parle comme si elle avait affaire aux ordures, aux serpillères, elle est tellement grossière. Tu peux pas. Franchement, on m'écoute à la présidente de beaucoup de pays, et on met le téléphone et tout le monde dessus. Mettez les cœurs. Si vous, ceux qui peuvent mettre des étoiles, mettez, hein, parce que les têtes de moi, je ne sais pas comment faire pour. Oui, mettez maintenant les cœurs pour moi, oui, les cœurs pour moi, les cœurs pour le diamant bleu. Les cœurs pour le diamant bleu, les cœurs pour le diamant bleu, oui. Les cœurs pour le diamant bleu, oui. Donc, mettez les cœurs pour le diamant bleu. Oui. Ngoï, je vais toujours te prononcer. Flo, imagine à Kinkam Koulia. Voilà, je vais toujours te prononcer. Tu n'as pas le choix. Tu es sur Facebook, je te prononce propre, quand je veux et comme je veux. Ce n'est pas négociable. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que je lui prends quoi? Je lui prends quoi? Elle veut prendre quoi chez elle? Quand tu la vois, elle a d'abord quoi? Elle a d'abord quoi pour prendre? Il faut te calmer. Nous, on parle de Chinchi Pantalon. Chinchi Pantalon a dit, je cite, elle, quand elle regarde un homme, elle regarde son cœur. Et elle est sensationnelle. Elle est amour. Elle, c'est l'amour. Et elle ne sait même pas. Même arrimer une phrase, sujet, verbe, complément dans un sens de contenu qu'un jeune peut même tirer un peu de la graine. Il n'y en a pas chez celle-là. Une bête de chez bête. Je demande à elle, la rêveuse. Toi-même, la ta grande soeur ou c'est ta soeur consanguine, c'était même comment dans vos familles là-même? Vous nous menez moi, il m'a dit, ah, c'est pas moi. Hein? Ah oui, elle a fugué à 11 ans, 12 ans. Oui, c'est vrai, elle a fugué très tôt. Ah oui, ça c'est un détail que j'ai oublié. Elle a fugué très très tôt, cette fille. Elle a commencé la vie de débauche très tôt. Elle est venue à Yaoundé en courant. Elle a fugué. C'est pour ça. Merci pour les cœurs, pour le diamant bleu. Tous les cœurs, là, c'est pour le diamant bleu. J'ai dit ça, Aura. J'ai dit, oh, elle regarde les pieds. Papa Fondja et la taille. Papa Fondja était grande taille, question. Elle dit encore que elle était avec Papa Fondja parce qu'il était un bon papa pour sa nièce qu'elle a, hein, elle a coopté.
l'enfant de son frère. La petite Gloria, elle a copté ça à son frère. Elle est venue avec. Elle dit qu'elle l'aimait beaucoup, Papa Fondia, parce qu'il s'occupait bien d'elle. Donc, elle a trouvé un gardien. Le gardien a gardé 13 ans, il n'en pouvait plus. Marie a dit que, quitte là-bas, tu viens garder ce qu'on a cherché à deux. Quitte là-bas, tu viens garder ce qu'on a cherché à deux. Et elle le méprisait tellement, parce qu'il avait la visibilité, n'avait pas la visibilité. Qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle prenait trop de place. C'est une fille qui a besoin d'exister seule. Elle a besoin d'exister toute seule, c'est une pantalon. Et là, Marie a dit que, chérie, reviens-moi. Maman, l'amour est mou là-bas. Maman, l'autre jour, la danse, le zouk. Maman, le couple, là, ils sont en amour, la magie. Bientôt, ils vont faire comme le couple Novelas qu'on avait, c'était Novelas. On les avait les bisous. Partout, partout. Et voilà une femme qui est une influenceuse. Jusqu'à dire qu'elles sont les deux, que les bangantés, que. Son Sioul est en train de souffrir d'autant. C'est une femme qui tourbillonne dans les relations. Tu ne connais pas hein, le bon. Elle tourbillonne. Elle était d'abord avec Pa Fondia. Elle est partie trouver autant. Elle est revenue chez Pa Fondia. Elle est encore partie trouver autant. Quand Pa Fondia gardait l'enfant, on l'a prenait en bas de mon père. Elle a fini avec elle. On va la reposer après 2 semaines. Sous ce sujet, j'ai les audios. Qu'on m'explique tout ça. Je ne mens pas. Je n'invente pas dans la vie des gens. D'accord? Elle revenait, on partait la déposer. Le jour qu'on a fait la télévision, qu'il y a eu 26 000 vues, c'est 22 000 vues, le record mondial qu'elle n'a plus jamais relevé depuis longtemps. C'était dans la maison de Otam, sortant du Cameroun. La Fondia était où? À Reims, là, pour garder l'enfant. C'était, elle me dit que tu voulais venir à Reims, j'ai refusé. Venez dans ton appartement, du groupe, dans la photo de milieu. Quand tu fais la vidéo dans le milieu, là, c'est comme si tu es en dépression. C'est la salle de la transe. D'entrer en transe, en dépression, parce que ta salle là, est tellement lugubre. Non, il n'y a pas à bas jour, pas petite lumière. Mais c'est moi la pièce où je suis là, j'ai vraiment 4 lumières qui sont allumées. J'ai une là, une là-bas, une ici, une partout. Où il y a une lumière partout, mon maman. J'ai dit que si je tourne comme ça, tu vois les lumières. 2 lumières, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon bon, ma couloir, on va dire. On va reflet. Puis là, il n'y a pas de lumière, tourne là, au tiens. Moi, il y a une lumière là, que c'est seulement que sur mes pieds. C'est celui-là, c'est seulement que les pieds font comme ça. Donc, pas pieds. Ce n'est pas pour voir. C'est pour les pieds. Projecteur. Tu peux arriver à ce niveau-là. Voilà une femme. Elle est en France depuis des années. Son héritage, c'est les perruques. Pendant que nous, on est en train de construire, reconstruire, reconstruire. Tandis que je fais des voyages d'opportunités. Mon chéri dit, chéri, va voir, tu reviens me dire. Hein? Je fais des voyages d'opportunités. Hein? Franchement, je ne suis pas là pour... C'est-à-dire que, je ne comprends pas. Je fais des... C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, mon mari dit, chéri, va voir, tu reviens. Là, je dis, chéri, oh, la butée a pris le bon. Ok, chéri, vas-y. Tu reviens quand? Alors, lundi. Ok, chéri, pas de souci. Il me dépose à l'aéroport, il vient me chercher. Il est fier de venir chercher sa femme. Vous êtes sérieuse? Quand ça te pique trop, tu filmes ton appartement. Regarde chez moi, montre chez toi. C'est quoi? Ce n'est même pas chez toi. Ce n'est même pas chez toi, chérie. On n'a pas besoin de venir se vanter sur l'état de ce qu'on réalise dans nos vies. Mais en tant que grande sœur d'Oshiga, ce n'est pas comme ça que tu devrais parler du mariage. Déjà, ta petite sœur a travaillé à l'enlever dans sa relation avec un mec amé où elle semble être bien et stable. Pourquoi? Parce que vous avez toujours les creux. Vous êtes toujours en train d'envier les gens. Vous n'êtes jamais satisfaite dans votre famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand vous quittez les problèmes, Toto est quitté avec mon beau, le bon beau à coller le bon. C'est devenu qu'il devait seulement mourir. On ne pouvait plus l'espérer. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Quand vous quittez ça, maintenant, toi, tu as parlé de femmes battues, que tu as trop souffert dans les langues de Bafondja. C'est pas ce que tu nous as dit toutes ces années-là. Quand tu naguais les mamans pépé, quand Achille a quitté maman pépé, tu as nagué maman pépé dans le passage. Fais le bruit de Papa Fondia, que tu fais le coquille poivron, que tu fais le tam de banane. On n'a pas respiré ici. Tu as dit 13 ans, juste à dire que aide-moi à rester concubinage, 13 ans. Que tu portes son nom, oh. Hein. On n'a pas respiré. D'accord? Ilan, quelqu'un dit que je n'ai pas encore dit Ilan. Ilan, nous sommes en train de faire la biographie, on essaie de faire une petite, hein, un petit résumé du spécimen. Parce qu'elle s'agite. Ce collecteur-là dit ceci, ce collecteur-là dit cela. Tu m'envoies même les messages. Oh, ton mari et tout, vous ne dansez pas, vous ne regardez pas, vous. Pardon. C'est ici que c'est sur Facebook que vous venez faire l'amour dans une fête ou quoi. Hein? Tu es sérieuse? Tu t'es vantée si tu étais fière et tout que. Tu t'es vantée ici que. Oh. Papa, Achille a tapé, parce que ta soeur a pris Achille en otage. Achille va aller trouver la lionne. Peut-être que c'est même ta soeur qui a gâté ça. Hey, papa, le bon. Le type, s'il n'était pas violent, oh. Pas Fondia, le seul. Il va travailler. Regardez le gars. Regardez son destroy. Lui aussi, il est un peu debout au couloir, un genre. Parfois, il rentre au travail, même les habits, la poussière, tu le filmes.
Marie ne le filme pas dans cet état. Marie l'a filmé avec le pantalon qui descend. Peut-être à 5 ans, comme lui met le pantalon, il a son short des jeunes là, comme ça, j'en ai un. Oui, merci pour les étoiles, bébé Katosha. Je dis qu'il met le pantalon, ses fesses, son short reste ici aux fesses comme ça. Oui, il a dansé avec Marie. Marie ne le présente pas, son temps de travail là. C'est peut-être que c'était quelqu'un qui partait travailler pour voir pour que tu aies un endroit pour dormir. Maintenant qu'il est parti, tu ne peux pas t'en sortir. Et tu es sur Facebook, au lieu de travailler ta monétisation, de chercher à créer une nouvelle page qui va faire que tu vas monétiser toi-même, au lieu d'attendre toujours ceux de Youpougon. C'est mon frère qui m'a monétisé. Tu allais m'insulter ce qui a insulté ma famille. Moi, j'ai deux frères. Ils sont au Canada. J'ai pas de sœur. J'ai un neveu. Il est au Canada. J'ai pas. Toi, tu as tes frères, ils sont calés au Cameroun. Tu cherches toujours l'endroit. Toto Tintin Pantalon était consultante en immigration. A frappé 65 personnes, ta tante. Elle n'a pas fait les papiers de ton frère. Dans les 65 là, disons que peut-être que certaines personnes au début ont voyagé par le consultant. Parce que je me rappelle qu'elle faisait la publicité d'un consultant du Canada que je connais personnellement. Pourquoi elle n'a pas mis tes frères là? Pourquoi ils sont toujours au Cameroun? Les soi-disant frères, mais si monétisé par mon frère, il connaît quoi? Il pouvait te monétiser. Tu n'as même pas honte de mentir. Quand ça te dépasse, tu dis que j'ai insulté ta fille. Je n'ai pas insulté ta fille. J'ai pas insulté. J'ai dit que tu es parti vendre le piment avec ta fille. Ça veut dire que tu pars avec elle à Monaco. Tu dis que tu pars visiter. Alors que tu t'assois dans un coin, tu dis vas-y, tu vas regarder là-bas. Va regarder, tu viens me trouver. Qu'on part avec. Moi, je suis parti avec les enfants. Je suis parti même au Lamida. Tu as dit que au Lamida. C'est-à-dire que là-bas, on est avec les enfants, on a marché dans le Lamida, on a parlé, on nous a expliqué les choses pour que les enfants connaissent un peu des choses. Tu marches avec les enfants. Tu dis, va, tu vas aller là-bas, va, tu reviens me trouver. Tu assises parce que deux clients t'ont épuisé. Donc, elle part comme ça, tu prends un client derrière l'arbre. Il l'a. Je me parle. Même, j'ai dit que même dans 17 vitines, tu ne peux jamais être une vendeuse de piment. Et tu dis, qu'est-ce que je faisais avec vous? Vous n'étiez pas mes copines. Tu as trop forcé que je sois dans ta team et que je sois membre. J'ai refusé. Inbox, outbox. J'étais sympathisante. Et quand les problèmes ont commencé, mon pion s'est présenté sur mes tas et dit qu'elle m'enlève la sympathie de le maillot. Tu as parlé? Pourquoi tu n'es pas sorti à ce moment? Dit que non, faites tout, mais ne venez pas, ne dégénérez pas. Tu n'as rien fait, tu étais à distance. C'est ce que tu disais, dis que tu enlèves. Dis que c'est ce que le maillot me donnait quoi? Bouf! Oulang, autant que vous êtes. J'ai dit qu'il lang. J'ai dit qu'il lang, autant que vous êtes. Tu es là, tu es sans papier en France. Tu as fait des années, 13 ans de vie. Allez, papa, faut. Vous êtes parti où? Votre pas de voir. Parce que moi, j'étais au Cameroun avec mes enfants et mon mari. J'étais au Maroc, j'étais même à Paris ici. Il y a combien d'années je suis venue à Paris? J'étais ici même chez mon couple. On a fait 10 jours avec mon chéri ici à Paris. On est allé en Suisse. On est allé aussi, on a eu un séjour. Mais on a les photos, on a tout là. On voyage beaucoup. On va aux États-Unis, on n'en parle plus. On est au Cuba. Là, on est en train de programmer la Jamaïque. D'accord? Toi, tu es parti où? Moi, il y a une grosse femme qui est. Avoir qu'un des trains. Parce que même Nantes, même Monaco, quand tu dis tourner, mon papa Fondari. Non, on est en Chine. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu es parti où? Partagez le direct. Tu es parti ouf avec papa Fondari. Tu as quitté le Gabon, tu es allé en Guinée, tu as quitté le Guinée, tu es allé au Tchad, tu as quitté le Tchad, tu es allé. Tu as pris tous les pays, allô, jusqu'à tu es arrivé à Paris. Tu es encore là, tu flottes en beau. Ça, tu es ta sortie, tu dis, ah, mon t'as donné 150, j'étais donné 100, j'étais. Tu n'as même pas la monnaie ce jour. Il faut dire la vérité aux internautes. C'est pour ça que j'ai préféré dire, parce que je te connais, tu vas venir dire n'importe quoi. Mais c'est moi qu'on va écouter parce que je suis l'heure juste et la vérité. Je ne mens pas. 100 ans, on me réveille, j'ai dit la même chose. Toi, tu bégayes. Tu n'as jamais voyagé avec papa Fondia. Pourquoi? Vous êtes déjà allé où? Hein? Vous êtes déjà allé où? Dis-moi un peu. Voilà Dubaï, qu'on dit là-bas. Là. Pas même là-bas, on voit, non. Pas aussi à Dubaï, non. Tu fais aussi comme les influenceuses. De façon, tu restes. Tu fais pas que tu te mets debout. Tu as le sac, tu tournes le sac de carrefour. On t'a pas vu entrer dans une place qu'on dit vraiment que voici. Pas, tu fais même 2 mois. On te voit, tu fais vraiment les choses. On voit. Tu es allé seulement en Côte d'Ivoire, là. À part le pont que tu es parti, tu t'es tenu pour faire comme ça. On te cherchait. Peut-être que tu cherchais, c'est un sugar daddy qui va te prendre. Oui, je suis chez elle. Je suis chez Chintin Pantalon. Jusqu'à ce que je n'ai plus envie. Vous allez me faire quoi? Quand elle fait ses directs, elle est sur moi, elle supprime. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les directs qu'elle fait sur moi. Elle ne m'a pas adressé hier, elle ne m'a pas adressé avant-hier. Toutes les sorties qu'elle a faites, je ne suis pas là. Hein? Toutes les sorties que Tinti Pantalon a fait, je ne suis pas citée. Elle était à Dubaï, on a vu quoi? Elle est allée à Dubaï, on a vu quoi? Les influenceurs qu'elle part à Dubaï, on voit Dubaï. Elle m'a été là, elle m'a dit, je n'ai pas des airs, elle tournait comme ça, elle prend le sac, elle fait comme ça, elle marche, elle fait comme ça. Tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu as visité quoi? Tu peux faire quoi? Hein? Regardez-moi ça. Tu viens parler à une femme qui fait le tour du monde et qui a encore d'autres voyages en vue. Tu es sérieuse? Il faut laisser Flore me parler. Hein? Toi, tu n'as pas le niveau. Moi, je te dis ça.
Tu dois te calmer quand il s'agit de moi. Et tu viens me comparer une femme terrible, ma mari, Mary, et lui aide-moi à rester 13 ans, viens se comparer. Mais oh, tu sais, oui, une grande trop sœur quand c'est n'importe de comparer pour maman. Elles sont les mêmes choses. Hein? On est les mêmes choses. Ça, c'est écrit ça même. Écrivez sujet, verbe, complément. Hein? Vous qui ne connaissez pas. Allez, c'est quand vous savez pas écrire le français, allez écrire chez elle. Hein? Moi, je n'aime pas les idiots sur mon Facebook. Enfin, pourquoi vous n'aimez moi ni là, mais dis donc, une fille qui a redoublé le coin mental deux, même six fois. Là. J'ai pas besoin des gens comme ça ici. Hein. Mais pourquoi vous donnez un peu de choc pour tout là? C'est quoi même les gens viennent écrire n'importe quoi ici? Ah bah oui, dis-le. Redoublé pour moi, ni beaucoup comme ça. Hein? Une petite parasite, une affamée. Maintenant, tu m'as moigné. Hein? Attends, j'enlève là-bas. C'était déchargé, maintenant ça a quand même changé. Faut aller à l'école pour venir parler. Elle m'écrit que quoi là? Le français sans complément, sans verbe, sans sujet. Mais le mari, tu vois que? Tu parles de quoi là? Pas à Dubaï comme nous on a vu les filles aller à Dubaï. Nous on a vu le Dubaï qui tcha. Pas là-bas. Et si tu as eu même, tu vas faire le gros ticro, ça va quoi? Tchamouke, non, c'est tchamouke, t'as pas quoi? Youbaque, c'est tes pantalons, youbaque. Tchamouke, you carrière, bah que. Quand ça te dépasse, tes avortons, je cherche où est-ce que ça va. Je suis taximan. L'autre avait dit dans la team de Flore qu'il va me trouver taximan. Il va venir dans mon taxi. Il va me repérer, il va me filmer. Il va. À la fin de la journée, qu'est-ce que ça mange? Au Québec, on dit qu'est-ce que ça mange? À la fin de la journée, qu'est-ce que tu mets dans l'assiette pour manger? Hein? À la fin de la journée, qu'est-ce que tu mets dans l'assiette pour manger? Petite pauvrate que tu es. Pour 50 ou 100 euros qu'on vous donne, vous pouvez finir avec quelqu'un. Vous insultez, vous finissez avec les familles des gens gratuitement. Pour 50 euros que vous avez reçus, en don de je ne sais pas quoi, de famine. C'est votre travail sur Meta. Vous n'avez pas allé. Imaginez, non. Elle dit que mon mari, qu'est-ce que ça. Franchement, dans les vrais gens, après, je vous donne des moines, là, où n'est-ce pas, hein? Où n'est-ce pas, quoi, yo? Hein? Où n'est-ce pas, où n'est-ce pas, franchement. Et voilà la rêveuse. Rêve, tu ne roules même fort, tu travailles plus chérie. À ce moment, tu travailles, c'était quand même pas apaisant. Hein, Binda? Maintenant que tu es là, tous les jours, oh pépé, vous dites qu'une femme est mendiante. Vous dites qu'elle demande les 50, elle demande les oranges, elle demande tout. On a tout dit. Ouais, quand elle te salue, son mère dit que ouais, l'enfant doit manger, il faut donner quelque chose pour l'enfant. Elle demande. Elle est mendiante à Pro Max. Mais vous toutes, vous vous mobilisez pour combattre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment. Vous êtes assise, ok? Vous dites que Mandiata Pro Max et vous vous mobilisez, vous toutes, pour la combattre. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette histoire. Parce que si moi, je prends quelqu'un, je chosifie, je la mets vraiment, je dénature le truc, je ne serais plus en train de la gérer, voyons. Je ne serais plus en train de la gérer. Donc, la chasseuse des démons a fini à eux. Oui, elles doivent finir à eux. Elles ont ce qu'elles méritent. Deux sœurs méchantes et haineuses. Depuis l'histoire de Facebook, elles sont méchantes et haineuses, ces deux filles. Elle est venue sortir une histoire des Bahamidekés. Je vous avais dit ici, quand Dorkaka, le Fombo, est venu dire qu'elles se sont entendues entre les Bahamidekés qu'elles ne clashent plus. J'ai fait une sortie pour dire que je suis Bahamidéké, Banganté Fortune. Quand on arrive à la chefferie, Banganté, on fait un, je suis première dame du nom. Sondou. On ne m'a pas appelé. C'est la réunion a eu lieu quand? J'ai parlé de ça ici. Quand j'ai parlé de ça, vous vous souvenez, ceux qui me suivent, Tintin Pantalon, un de ces Prado Monte. Je ne sais pas si Prado Monte existe encore. Quand ça tournait, comme ça tournait, je posais les questions et tout, parce que j'ai fait mon direct. Mais elle voulait que je l'appelle. Parce qu'elle, quand il y a quelque chose, il faut qu'on l'appelle. Madame, ça soit comme une reine. Il y a quelque chose, il faut que tu m'appelles. Quand elle ne parlait pas, il fallait m'appeler. Elle ne parlait pas, il fallait m'appeler. Comme si elle t'appelle tout. Voilà. J'ai parlé ça. Prado Monte est venu mettre une phrase comme quoi, oui, Lolo est quand même assez, ou c'est influencé. Il a mis une phrase comme ça. J'ai dit que, ah, papa, même si elle est influencée, moi, il dit souvent que la réunion a eu lieu quand? Pour que moi, je ne sois pas convoqué à la réunion des Bahamidekés, des Meta. Pour dire qu'on insulte plus les Bahamidekés entre eux. Et pourquoi je vous fais un gros Njangé? On insulte toute la dépouille de ma famille. Elle, Tintin Pantalon, pas applaudi Ngomo Pion qui est en train d'insulter. Hein? T'es fatigué. Oui! J'avais parlé de ça. Et c'est là où le problème a commencé, qu'elle est partie, maintenant ça a dégénéré. Elle s'est fâchée que Prado Monte est venue parler dans mon direct. Elle a téléphoné pour me... Oh, comment j'étais en train de développer. Parce que, regarde,
Elle, là, ces choses arrivent toujours, un genre. Moi, j'étais en train de développer cette affaire de réunion. Elle, elle s'était frustrée. Elle est venue seulement m'agresser. C'est ça, j'avais fait le dire. Je dis que, hé, Lolo, je vais pas ton travail. Je dis que, sois loin de nous. Ça fait que tu crois que comme tu es Lolo Magnoc, Lolo Kassinga, où c'est Poutine de Nkwaba? Poutine de Nkwaba, Russie de Nkwaba. J'avais tapé, c'est comme ça, que le président qui fait la paix, même la paix où il n'y a pas la paix, là, que lui, pour lui, son genre de paix moribonde, là, il m'a encore téléphoné le temps. Là. Quand elle parlait, même au téléphone, j'étais là, j'écoutais, seulement, elle répondait même pas. Il dit, tu es là, oui, j'étais seulement là comme ça. Parce qu'elle était là, ouais. Après, j'ai dit, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est fini. Avant ça, l'affaire de Macha, regardez, Amougo, j'ai parlé ici. Je me suis connecté, vous étiez là. J'ai dit que, parce que quand il y a une situation, il faut toujours voir là où le bas blesse. La situation, vous trouvez sur Facebook. C'est une situation au quartier. Moi, je viens analyser et faire la synthèse. Comme Dorcas s'est sorti dernièrement, dit que c'est parce qu'elle allait encourager Nadège qui insulte toutes les familles des gens. Encourager, tu es bonne, tu connais le cas, tu as appris ça. Ouais, bravo, bravo. Que moi, je suis montée sur elle. Je suis montée sur elle un tour. Je suis moins que sur elle maintenant. Ça ne chauffe pas. Vous comprenez, non? Et ça va rester comme ça longtemps. Je dis dans mauvais rêve. Moi, vous faites, je ne vous vois même pas. Je ne vous suis. Je dis, il en autant que vous êtes bon là-bas. Je dis qu'il en, vous toutes confondues à la retranscription. D'accord? À la transmission, quelque chose. Franchement, elle nie. Quand tu dis bordé, papa menteuse, c'est-à-dire quand tu dis bordé, tu dis menteuse, tu dis vendeuse d'un coup. Si on avait les bandits, tout ça, c'est les mêmes patates. Les bandits aussi, c'est les menteurs, les arracheurs, les ceci. Ceux qui mettent les gens dans des situations qu'on ne peut même pas comprendre. La fille est sortie sur moi pour 300 euros, là, ici sur Facebook. J'ai dit que ouais. Le bas blesse comme ça, marche en monte sur comme ça parce qu'elle lui a demandé 300 euros. Si elle n'avait pas demandé 300 euros, on n'en serait pas là pour comprendre pourquoi le problème est venu. Quand j'ai dit ça, je ne suis pas encore si Lolo, hein. Demande de Flore, c'était 6 ans. 6 ans. 6 ans. On ne te dérange pas, on va durer. Franchement. Donc, je ne comprends pas. Elle est venue, j'ai parlé, ça, elle m'a appelé. Comme toi, tu te rappelles. Me ramasser ici. Elle fume comme une cheminée, même le cou. Elle fume tout. C'est un fumoir. Les gens que tu dis de bloquer, ils écrivent, ils effacent. Bye bye. Je l'ai bloqué la Virginie machin. Donc, elle est venue dire que elle m'a appelé. Tu parles comme ça. Si y a un truc comme ça, tu dis que à cause des étoiles, quelles étoiles? Qu'elle reste tranquille. C'était pas à cause des étoiles. C'est pour ça que je dis que quand ces filles expliquent les choses, elles aiment toujours montrer que les gens sont un peu des mendiants, sont pas à la merci des miettes. Regardez le standing et la vie des gens. Essayez de positionner chaque personne dans son contexte. Moi, je suis canadienne. Elle est camée. Je ne dis pas qu'être camée est mauvaise. Elle avait une carte de séjour. Je ne sais pas si elle a 10 ans. Si elle a 10 ans, il faut qu'elle nous poste ça. Peut-être elle a un an renouvelable. I don't know. Camée. Je suis, comment je peux dire, terriblement mariée. Elle a fait aide-moi à rester 13 ans. Ça, c'est le deuxième point. 13 ans. Et s'il te plaît, elle vient nous faire croire qu'elle était en amour dans son aide-moi à rester. Mais le gars était tout simplement le baby, le papy sister. Papa Fondia était papy sister de Gloria. Oui, terriblement. Elle dit qu'elle aimait, elle aime les géants et les pécores autant et son style. Donc, elle retourbillonne chez autant. Donc, pendant 13 ans, elle était polyandre, deux hommes, entre autant et Papa Fondia. D'accord? Au niveau de la carrière, elle a pris une formation de ménagère. Elle nous a fatigués, c'est qu'elle pas à l'école, pas la formation. Travail, c'est facile d'abord de travailler. C'est facile de sortir, faire 35-40 heures chaque semaine. Sur le froid, sur la neige, beau temps, mauvais temps. Le travail, je dis ménagère. Ménagère, une femme qui vous dit qu'elle me dépasse. On va parler ça calme. Elle est ménagère. Elle n'a même pas été capable de faire le ménage. Elle est très très propre. C'est le jour qu'elle lave, qu'elle fait le ménage, qu'elle filme, elle nous met sur Facebook. D'accord? Je suis toujours entre les avions. Trop d'heures de vol à mon actif. Elle voyage dans sa tête et dans ses rêves. Vous vous rappelez le voyage du Canada? Qu'elle avait dit qu'elle partait aux États-Unis, un voyage là, qu'on l'a mis avec une caricature de vidéo sur Facebook là, à l'aéroport, mais dès que quelqu'un avait sa tête, on disait que tchitchin, pipi. C'était tellement drôle là. Les voyages. Toujours entre deux avions. Le mois prochain, je voyage encore.
Quelqu'un a écrit tout à l'heure que tu laisses ton mari. Oui, mon mari n'est pas... C'est pas une censure. C'est un homme libéral. Il sait que sa femme sort pour des choses bien précises. Et il est... Il veut... C'est-à-dire, à chaque heure, on se parle. Je suis maman à deux veuves. Globe-trotter confirmé. Ça ne chauffe pas. Et que vraiment me voit. Il était agent d'entretien, il a fait la formation, ça c'est 4. Donc, pas de carrière professionnelle. La voiture, je conduis depuis Bobo-Dioulasso, je n'ai jamais eu un ticket de la police, de nulle part. Aucune contravention de ma vie. Permis de conduire, c'est-à-dire que si c'est même le B qu'on fait le camion, c'est que je peux m'aller chercher ça si je veux. D'accord? Elle-même le vélo, on ne peut pas pédaler le vélo. Il y a une pour mon vélo, oui. Tu dis qu'on a un vélo, oui, non? Même à criver dessus, c'est qu'il y a tout pédaler vélo. Mais déjà, vélo, action, à vélo, oui, non? D'accord? On va dire que la voiture, c'est une nécessité. Oui, c'est une nécessité. Je vous ai dit que si moi, c'était à Montréal, là, c'est que les bijoux posés ici. Lesquels? Enfin, combien à Paris, là? 21h31. C'est aussi, il y a devant la maison ici, là. On peut porter les bijoux ici. Et nous, ça va vite. Sagesse et intelligence. Intelligente. Je suis 100 fois plus intelligente et sage qu'elle. Elle pense seulement dans sa tête comment elle va faire pour faire les clashs, pour essayer d'aller rafistoler les 100 euros, les 50 euros, pour quêter. C'est juste ce qu'elle a comme niveau d'intelligence. À part ça, sagesse intelligente, elle ne peut pas. Niveau scolaire, même elle ne peut pas. Elle ne peut pas! On lui donne un travail de remettre le résultat. Maman, elle tape 20 sur 20. Elle tape 1 et demi sur 20. C'est qu'est-ce que c'est ça? J'ai pris 5. Au niveau du français, la langue de moi, même le baranté, parce que mon chocolat me souffre aussi, tu es un chocolat, maman. Elle dit qu'elle est baranté. Babou, c'est babou. Elle se. Après, hein, tu m'as dit, hé, vraiment, elle rit toute la drogue qu'elle a fumée. Oh, si simple. Mais tu as un français pour une chouple. Moi, je souffre aussi, tu me fais, je souffre aussi, tu me chouple. Ça ne chauffe pas. Mais elle se passe pour une oratrice, pour se mettre sur des places pour parler. Si on veut mettre les femmes sur un stage pour communiquer de ce qui concerne X ou Y choses, je la dépasse. C'est là. Sixième point. On vous dit qu'elle me dépasse, on va continuer. Au niveau de l'estime, et la confiance de soi qui libère l'esprit et rend la femme libre et libérée, elle n'a pas. L'autre jour qu'elle me répondait, son cheveu était dans un coin lugubre. Je suis sous la lumière, sans fond de teint, devant vous. J'ai même le rouge à lèvres parti. Vous allez manger un dangereux gombo là. J'ai bien une espèce de venin gingembre. Oui, me voici devant vous. Et ça me dit ça à la fête que comme ça. Même le fond de teint, elle ne va pas mettre. Si elle veut tourner le rouge à lèvres, ça. Elle m'assume. Est-ce que j'ai cité le mariage? Parce que j'ai cité ça. Terrible, pas marié là. Je cite encore où j'ai déjà cité. Ouais, dites-moi un peu, je commence à me mélanger déjà. Ça fait que je suis une personne qui personne n'a grata comme ça là. Mon job, tu en vas pas, moi, pour là. Elle ose parler à une femme qui s'assume de A à Z. Maillot de bain même. Je suis venu sur. Mais comment? Il me met avec le maillot propre, ça chauffe pas. Hein? Est-ce qu'il y a cité le maillot comme Tachou? Oh là là. Est-ce que j'ai commencé avec le mariage? Parce que je dis moi vite. Les têtes de moi, elles n'arrivent pas. Qui fait seulement une phrase, tu mets je. Non. Au niveau du mariage. J'ai dit ça, non, que je suis. Qu'elle habite. Ah non. Au niveau du mariage. Je suis une femme terriblement mariée. J'ai assisté au mariage. Ok, parfait. Maureen est là. Maureen a bien noté. Voilà. Maintenant, donc j'ai assisté au mariage. J'ai travail, carrière professionnelle, tout ça. J'ai encore oublié quoi. Maintenant, au niveau de l'habitat, de comment on est installé en Occident. Maman. Je suis versée dans ma. C'est-à-dire que ma maison, c'est un bungalow plein pied. Intergénérationnel, ma chérie. Peut-être que je ne sais même pas c'est quoi. Parce que vous parlez souvent les termes ici, c'est les pavillons, les quoi. Mais ma bungalow plein pied. Intergénérationnel. Ma chérie. Bungalow plein pied. Je suis à 7. Intergénérationnel. Mon nom est écrit là. D'accord? Oui. J'ai de la propriété au Canada. Ça veut dire que quand elle vend, je mets l'argent dans mon sac, c'est beaucoup. Comparé à toi, toi tu es dans une maison, tu attends qu'on t'aide à payer. Je ne sais pas si ce mois-ci ça va donner. Parce que comme vous avez passé le temps à retranscrire mes vidéos et à me suivre là. Rénover au goût du jour, merci maman. Bungalow plein pied, intergénérationnel. Voilà. D'accord? Au niveau de la procréation, la grâce d'enfanter, j'ai deux adorables princesses que j'adore, que j'aime, qui sont bénédiction de Dieu. Oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, ce qui est sûr, c'est ça. Deux adorables princesses en santé. Moi, que là, aussi. Césarienne. Quand ça a dépassé tes adeptes, ils ont dit que, oui, sache qu'il y a une femme qui avait dit, s'ils sont morts, toi-même, tu vas mourir, moi-même, je vais mourir, même eux vont mourir, même mon père, même tout le monde est prêté sur la terre. Donc, laissez vos pépettes, quand ça ne va pas vous chercher l'échappatoire, non, il va mourir, personne n'est éternel, nul ne sortira vivant de cette vie. Vous tout m'en deux filles césariennes. Donc, ça veut dire que même debout, comme je suis là, en bas, là, c'est encore nyan-nyan. Parce que moi, je suis qui n'est passé là-bas.
J'ai pas besoin de coudre quelque chose. On a ouvert, ils sont appris, on m'a laissé le bas. Nyang, nyang. Ils sont encore fraîches bêtes. Fraîches bêtes de chez fraîches bêtes. Tu dis que tu es belle. En tout cas, la beauté provient de celui qui sait la regarder. Moi, je suis économiquement belle. J'ai pas besoin de grand chose. Je peux m'aller à une soirée avec le Kaba. J'arrive là-bas, dès que j'arrive, on sait que je suis arrivé. Moi, je suis d'abord debout comme I, prestance debout. Menzui, tu es Nami. Béni en arrivant, béni en battant. Ma chérie. C'était le 9e point. J'ai oublié quoi? Parce qu'on va arriver à 10 et puis il va d'abord m'arrêter là. Parce qu'il peut compter jusqu'à 100. D'accord? D'accord? La manière de venir en bain. Toi, tu as Boza. Toi, tu as commencé au Gabon. Souffre, souffre. D'abord à Yaoundé. D'abord à Kribi. Après à Yaoundé, en Kedofine là-bas. Après à Gabon. Souffre, souffre. Guinée. Souffre, souffre. Donc tu cherchais toujours un sugar daddy ou quelqu'un ou quoi, je ne sais. Souffre, souffre. Souffre, souffre. Souffre, souffre. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je suis déjà affiné mes 10 doigts. Souffre, souffre. Ouais. Quoi? Franchement, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Pas m'énerver. Non, laissons les frigos même, parce que le frigo de la Guagroise là et la cuisine. De... Donc j'ai pris le bungalow plein pied intergénérationnel, rénové au goût du jour, ça suffit. Donc ça prend tout ce qui est au goût du jour. Ce que tu penses au goût du jour, il y a ça là. Oui. Elle a poussé une femme enceinte dans la mer pendant le Bouddha. Ça peut arriver. C'est évident. C'est évident. C'est pas comme Zoukemba avait fait que chacun prend la caméra. Je te dis, Nico. Il s'assoit aussi, fait le dire. C'est que celle-là, il feuille. Pas crignant, feuille. Pas une jeune pauvre feuille. Une vieille comme ça, là. Sa mère est décédée. Moi-même, ma mère est décédée. C'est là où on est égalité. On a la même chose. Mais parle tout le temps de ma mère est morte. Depuis que ma mère est morte. Pinendorf, là. Je vous ai juste dit, allez faire le deuil au village. Tu as dit que j'ai insulté ta mère. Je demande, les injures pour vous-même, c'est quoi finalement? Les injures pour vous, c'est quoi? Moi, je comprends pas. Finalement, on vous dit la vérité, c'est les injures qu'on manque. Moi, je comprends pas. Mais vous voulez qu'on fasse comment? Donc, vous c'était, vous regardez, allez, sombrer dans l'idiotie. Hein? Mais vous coulez. Hein? Mais le père Kobo, il est coulé, le bête, il est coulé. Donc, on va s'asseoir, regardez. On ne parle pas. Bah. J'ai déjà cité 10 choses. Tu as vu, non? On s'est arrêté sur nous. Je n'ai pas pris rien là. Arrêtez. J'ai cité combien? Hein? Franchement, elle est orpheline de père de mère. Moi, monsieur, c'est seulement la chose que nous avons en commun. Elle a des frères, elle aussi la soeur. Moi, j'ai pas de soeur. Tu vois, tu as même la soeur. Là où elle me dépasse. Une soeur rêveuse de Mina, je sais pas quoi. Elle a ça. Elle a des frères, ils sont calés au Cameroun. Moi, j'ai des frères, ils sont au Canada. Chacun a ses silences. Mes frères ne me demandent pas quelque chose. J'ai pas de personne. Je paye pas de rentrée scolaire à personne à la rentrée scolaire. J'ai pas de personne à nourrir quelque part. Franchement. Hein? Vous êtes sérieux là? Arrêtez, hein. Et puis tu t'assois, tu dis que tu vas me taper. Tu vas m'interdire Paris. Tu t'assois avec une bande de rococo dans l'alcool et les boissons. Me voici à Paris. Me voici à Paris. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Oh, j'ai dit ça. Maintenant, je vais te taper quand je veux. J'ai dit que je vais te taper. Mais c'est quand je veux, pas quand toi tu veux. Pourquoi vous changez de bouche? Moi, quand je sors, la parole a le pouvoir. Et quand je sors une parole, je l'assume. Je vous ai dit, premier exercice que tu vas faire, tu ne pas c'est t'entendre de parler. Mais peut-être tu supprimes tes directs, soit disant que tu as peur qu'on ferme ton compte. C'est pas ça, parce que quand tu te rends, tu as honte. Tu as honte de t'entendre. Parce que c'est de la pluie à pèse. C'est de la merde, de la raclure. C'est de la ramasse. C'est du bas niveau incommensurable. C'est pas audible. Tu ne peux pas tenir toi-même. Après, tu fais. Tu ris avec tout le banc, la poudre, tout. Voilà ce que tu fais. Quand tu t'assois pour répondre à quelqu'un, tu n'es pas capable d'expliquer aux gens cause à effet ce qui s'est passé. La situation que nous vivons est une simple situation que Ngomopion a dit qu'on soutient Pan Jansan, on a refusé. Tu n'es pas capable d'expliquer ça. Après, tu dis au fini, je soutiens Pan Jansan. Je me suis organisé. La soeur dit qu'elle s'est organisée pour nous chercher de la team. Finalement, tu voulais comme ça. Finalement, vous êtes toujours. Vous tournez tout ça, pourquoi? Vous tournez tout ça pourquoi? Voilà, on est rendu où aujourd'hui? La honte. Vous êtes la honte de toute une communauté. Mais votre honte, là, vous êtes resté dans le coin des médiocres. Moi, je ne vous suis pas. Moi, j'ai dit que c'est la ramasse. Ce pantalon, c'est la ramasse. La raclure. C'est pas la blague. Elle croit qu'elle. Oh, mais si, attends, ceci. Les mots que quand tu dis. Quand je suis en direct, il faut aussi que je donne ce point-là. Je la dépasse aussi sur ça. Celle qui est venue dire que je me dépasse là.
Je suis suivie jusqu'à la présidence. Et quand une maman ou un papa est en train de faire le ménage dans sa maison, ou il fait même l'aide au devoir, il veut écouter un truc pendant qu'il fait, il ne peut pas mettre off dans tout ce que je suis en train de parler depuis là. Hein? Il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas. Il ne coupe pas. La femme suit. Elle ne peut pas. Tu son mari même entre la cuisine, il sort. Parce qu'il y a des maris qui disent que je ne veux pas de Facebook. Quand il va dire c'est là entre la cuisine, il sort. C'est qui a dit c'est la reine, mais oh là là, elle parle du bon français. Un français soutenu. Quand il prend le baranté, on a un capitaine du Han, on fout dans ma queue. On a un gang de ma foutu à mon ami. On a un homme dans le monde. Oui. Parlez de quoi? Est-ce sérieux, hein? Un fumeur, quoi? C'est facile, c'est facile ici dehors. La mendicité que vous me collez, c'est toi la mendiante. Tu as pris les gélules de la dame que tu vendais où c'était les gélules. C'est fini, problème. Tu as pris, c'était encore quoi? Pas les gélules, il y avait encore quoi qui a fini tous les problèmes ici. Là. Toutes les choses finies. C'est moi que vous venez mettre mendiante. Je suis venue à Paris par le biais de ma CCC, ma cliente copine chou, la Grita Boss. Elle s'est mise debout, elle a dit, tu viens. Elle a pris le billet d'avion. 24 chronos. Et j'ai dit, chérie, je suis à Paris. Et j'ai fait mon bagage et me voici à Paris. Oui, juste même pour le mal. Me voici à Paris. Franchement. Ah. Ouais, Seigneur. Elle a eu le problème de gélule, la dame. Une dame a utilisé, pas la gélule, un produit. C'était quoi la gélule? En tout cas, un produit pour les végétures. Quand la dame a utilisé ça, la peau a commencé à brûler. Elle vendait. Elle a dit qu'elle renvoie-moi la boîte, le produit. La fille a renvoyé. La fille a encore appelé. Elle a lavé la femme là juste là. Indigène. Maman, le service à la clientèle. Le service à la clientèle. C'est-à-dire que, comme là, je suis en train de parler des bijoux de Bafokria. Je suis à Paris. Il y a une dame qui veut prendre tout. Et si elle veut même, on peut la livrer. Nous, on est en affaires, on est en business. Toi, mémé qui fouve ta bouche, tu prends un paquet de bonbons à 1 euro, tu le vends à 5 euros. C'est une opportunité, ma chérie. C'est pour ça que tu as ouvert ton dépanneur, là. Parce que tu prends ici, en gros, et tu prends le Coca-Cola à 1,25 €, tu pars le vendre à 3,50 €. Parce que tu fais 2 euros dessus. Et 5 francs, c'est la mienne du million. Et là, autant que vous êtes. Je salue ma petite sister Nouriane. Mais tchalou, maman, vous la beauté. La fille est belle depuis qu'elle est petite. Je vais vous quitter, là. Belle depuis qu'elle est petite. Jolie, ah, je la connais. Vous voyez, quelqu'un va t'appeler, elle veut 100 paires de boucles. On parle business, c'est de ça qu'il s'agit. Vous héritez, c'est-à-dire vous faites des alliances de paires pour hériter le clash. Moi, je fais des positionnements stratégiques avec l'opportunité qui va avec pour hériter l'avancement et le gré-up dans le business. Je suis entre deux avions quand je veux. Hé! Hey! Hé! Hey! Vous parlez à qui? Hé! Hey! S'il vous plaît, ne bouffez pas mon énergie positive. J'ai des choses à faire. J'ai l'avenir de mes enfants assuré. Ouais! Je dois continuer le positionnement de mes deux agréables princesses que Dieu m'a prêtées. Dieu m'a prêté mes filles. Je suis désolée. Dieu me les a prêtées. Et je dois assurer quand même leur avenir. Même si je ne serai pas la mère idéale, je me bats quand même du mieux que je peux. Attends! Toi, il t'a même pas donné l'occasion d'enfanter, mais tu viens insulter les gens. Tu insultes les gens. Tu dis que ma fille, son chéoul, des trucs que je peux même pas reprononcer à ma bouche tellement je suis abasourdi. Je dis, elle est arrivée jusque-là. Mais attends, tu étais à Monaco et ta fille, elle est accompagnée. Vendre le piment, madame. Et tu lui dis, tu vas visiter là-bas. Va visiter. Maman, pardon. Même dans 17 vies, me dis que ta soeur, je ne vais pas vendre le piment, même dans 17. Je vais faire les beignets. Mieux vendre les baignards. Je rentre au camp, ils vendent les baignards à mon cou. Mon garçon, mon fils ne soigne pas encore. Je fais comme ça. C'est 5 francs, 10 francs, c'est juste qu'elle prend mon argent. Je n'ai pas honte. 5 francs, c'est la mère du million. Le choix des boucles, c'est compliqué. Hein. Tu vas m'appeler, tu me vois, tu regardes seulement ce que tu veux. J'ai pas le temps, hein. Mon séjour est très court. Hein. Je suis là pour 4 jours. Hein. Voilà. Moi, je suis une femme. Voilà. Je suis occupée. Hein. Voilà. C'est ça. Vous voyez. Je n'ai pas le temps. On fait comment pour voir? Tu me vois là où tu vas me voir et puis on fait et puis c'est fini. On parle boucle et puis c'est... Je te vois pas étant seul, hein, parce que je sais qu'il y a des agresseurs, il y a des gens qui veulent s'octroyer la palme d'or qu'ils ont froissé. La femme terriblement mariée. Voilà. Il va avoir une palme d'or pour ça. N'importe quoi. Voilà votre palmarès sur Meta. Vous assurez que vous avez abîmé ou détruit la vie des bien gens comme nous. On va plus vous donner l'occasion. Vous êtes des médiocres. Vous allez voler dans le couloir des médiocres. Ça ne chauffe pas.
Et on va avancer sans vous. Vous allez voir comme ça avec vos yeux. C'est à cause de vous, je suis ici. À cause de vous, vos bouches là. Vos, comme les Ivoiriens disent, vos bas bien là. Vos mains cons là, comme les Ivoiriens disent là. C'est à cause de vous, je suis ici. Sinon, j'allais pas à Montréal. J'avais prévu mon truc de Pâques avec les filles. On devait aller à Grimby, à Sias. On avait tellement de choses à faire. Je n'avais même pas prévu. Pour mes amis, même ma cour, ils savent que je n'avais même pas voyagé. Voilà ma yam soeur, Yann qui a atterri là. Yann Wanda que m'aide, la garée à Paris. Mais ça a fait comment? J'ai parlé à Yann mardi et me voici à Paris jeudi. Yann va dire, ma sister, c'est la star, mania. Ça, c'est un voyage d'affaires. Je suis représentante des produits de Glutaline, de la compagnie Glutaline. Et la Glutabos a décidé d'inviter sa représentante. Et nous préparons une grande conférence. Oui, la conférence de la compagnie Glutaline au Canada. Et l'Amérique du Nord sera là. J'ai causé avec une représentante du Texas tout à l'heure. Elle m'a appelé parce qu'elle va prendre de la graine. C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, en fait. Vous comprenez quoi? J'ai parlé avec une représentante du Texas. Elle m'a dit, je serai à la conférence à Montréal. Je dis, yes, car les dates sont décidées. On vous informe. Vous allez toutes être là. Il y a la mésothérapie qui est venue. C'est qu'on avance. On c'est bon. Vous savez, mon mari, Ndunjo, Kenangwa, Yunkoton, Makal, mon mari. Quand je dis, chérie, bon, je vais parler des plus. Ok, il sait qu'il est une femme qui a de l'intrigant. C'est important. Les hommes n'aiment pas des femmes feignantes. Tu dors 6 jours. Tu devais faire tes ongles, on devait se voir une fois là. Ou tu devais venir voir les qui ici à Paris, tu n'es pas venu. Tu dis que comme la reine vient la semaine prochaine, je vais faire mes ongles, je vais venir. Je suis venu, tu n'as pas fait. L'autre semaine a ajouté. C'est comment quand tu fumes, ça fait que tu dors demain. On me lève tous les matins. Tu vois, de mes 52, je vais chercher mon pain. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ton front. Oh! Agathe sera à la conférence. On va faire une grande conférence. La compagnie que tu as là au Canada, pas dans la dentelle. Dans les lieux bien de Montréal. Et s'il te plaît, c'est en train de bouger à un niveau. Parce que, oh, mes femmes sont dans le glutathion. Parce que nous devons prendre soin de notre santé intérieure. Et on s'est rendu compte que ce condensé de liquide-là, il a tout ce qu'on a besoin pour avoir la pêche. Et tant ici, mon entrepreneur, je lui ai prescrit le glutathion. Parce qu'il a une grippe depuis 5 mois qu'il ne le lâche pas. Pour finir, un petit truc que lui a donné, c'était difficile. Il a dû envoyer une équipe en renfort. Et tant ici, ce matin, je lui ai parlé, je lui ai au téléphone, je lui ai dit, tu sais quoi? Il faut que tu prennes le glutathion. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est important. Ton système immunitaire est très faible. Ça veut dire que tu prends tout, tu attrapes tout ce qui passe, un petit vent, tu as le gars, un petit ceci, ça va. On va aller voir ça. Quand vous voyez les blancs là, 77 ans, il est debout, il part faire le jogging. Mais ils ont des trucs. Vous comprenez? Voilà. Alors, une femme authentique, naturelle, qui s'assume, ma grosse tête pleine de sagesse. Grosse tête, les gars, gros cerveau, pleine de sagesse. C'est ça qu'il s'agit. Vous allez que dire ça tout le temps. Mais je suis l'exception. Qui confirme l'arrêt. Oui, j'impacte beaucoup sur mes temps. Vous ne pouvez même pas imaginer. Votre travail me propulse. Merci pour les étoiles, ma chérie Kamtachou. Oui, votre travail me propulse trop même. Moi, mais je reste comme ça, dit Seigneur. Donc, c'est venu. L'heure de la victoire est là. Oui, l'heure de la victoire et de la vérité. On vous a lu. Cachez-vous. Cachez-vous, pardon. Cachez-vous, je vous en supplie. Oui, c'est mon Congoliban. Congoliban, Soya. J'aime ça jusqu'à. Quand je suis coiffée comme ça, je suis free. Il n'y a même pas quelqu'un qui m'a dit qu'en venant, quand elle va venir me taper là, elle va enlever mon. Merci beaucoup. Merci, mon reine, pour les étoiles. Merci, mon dynamisme. Merci, ma chérie. C'est une jeune sœur, mon reine, aux États-Unis. Très dynamique aussi, très battante et influenceuse. Mon reine, l'africaine. Abonnez-vous sur sa page. Elle monte en puissance. C'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense. J'aime son blog. J'aime la suivre. Quand j'ai un moment, je la suis. Si je la vois, je partage. Voilà. Ils sont en train de bavader. Manqué, t'es pas allé l'autre. J'ai dit que pas tout. Je t'ai dit quelque part, manqué. Voilà ma manqué aux États-Unis. Manqué, t'es pas allé. J'ai dit que pas tout. J'ai même pas dit au revoir, non, manqué. Voici ça à Paris. Manqué, je me suis réveillé, t'es là à Paris. Comme ça. En 48, c'est ça. Quand pour qui sonne le glas. J'ai dit que pour qui vous ne pouvez plus. C'est fini. J'ai dit que c'est fini. On va seulement avancer. Il y a plein de choses à faire. Tu n'as pas de potentiel. On te raie de la liste. Tu viens. T'as dit, on dit anti-progressiste. On vous raie de la liste. Arrêtez vos bavardes. Mandia. La fin. Elle voulait pas. Vous posez pour vous qu'au carrefour, les gens ramassent. Elan. J'ai dit que Elan. Merci pour les étoiles, mon bébé Coco. Mon bébé Coco, me voici ici. Je sais pas si c'était dit qu'il partait. Tu as seulement ouvert le rideau. Tu m'as trouvé ici, non, mon bébé. Est-ce que c'était humain, mon bébé Coco, pour te dire que je pars? J'ai parlé à mon bébé Coco avant-hier. Je ne sais pas. Parce que je conçois mon bébé Coco là. J'ai pas eu mon bébé Coco. Non. Je t'ai pas eu. Élise, je te salue ma chérie, ça fait longtemps. D'accord. Donc on va mettre les petits dans les grands. C'est comme ça.
On va avancer lentement, sûrement et bien. Il y a plein de choses à faire. Nous sommes une communauté des gens fortes, des femmes fortes, proactives. On ne peut plus dormir, l'esprit à perdre le temps à discuter avec les vieilles chouettes. Que tout ce qu'elles prennent tombe en ruine, même les formations qu'elles prennent, on ne voit pas le travail de ça. Nous, on nous a dit que la rêveuse était à l'université, elle a fait les gros crayons, le travail. On dit même que le monsieur là, le momie, la momie ambulante, au lieu de souder, on lui donnait les voitures de souder, lui soudait le ciment pour nous insulter. Tu le vois? Il est debout, vraiment fou, manque de religieuse. Pourquoi souder ma choix, souder ciment? Compagnie Brignon soudure, fagaz, mon choix, compagnie boulot. C'est fini. Franchement, on doit parler de ce qui est bien. On doit s'auto-outiller. On doit apprendre de la graine. On doit avancer. Nous avons les petits bobos. Moi, j'ai une fan qui m'a parlé. Celle, elle est même représentante, celle du Texas. C'est un témoignage. Elle a été un témoignage. C'est sa mère qui ne se sentait pas bien. Dès qu'elle atterrit, elle a commandé l'occultation qu'elle a entendu parler de là, sa mère. Sa mère, c'est comme si elle m'avait fermé le jogging. Elle dit que, hey, elle est devenue représentante. Elle dit qu'elle-même va représenter. Non seulement elle va livrer sa mère directement, ça dit s'occuper de sa mère et elle-même va prendre pour elle-même. Oui, Agathe, je savais pas moi-même, hein. Philomène, bonjour, ma chérie. Moi, mais je savais pas. Et que la Guta a dit, regarde les billets. Moi, j'ai regardé, j'ai vu que c'était cher, j'ai dit, oh, laisse tomber. J'ai dit, ok, bah. Elle dit, donne-moi le nom, donne-moi ce que j'ai donné. Et puis, le lendemain, je me lève, j'ai le email, le billet est déjà là, hein. C'est une femme d'affaires chevronnée et tout. Elle invite une de ses représentantes à une vente privée. Et voilà. C'est ce qu'on veut dans la communauté. Pour moi, je dis, oui, j'ai participé. J'ai mangé. Ah. Là. Venez entrer dans la vue à ma place. Prends mon passeport, tu viens entrer à ma place. Je suis. Oui, ça doit changer, Irène. Les cœurs pour le diamant bleu. Merci pour les étoiles, mon reine. Ça doit changer. Katosha est bombarde seulement. Merci, Katosha. Les cœurs pour le diamant bleu. Oha. Ça doit changer. On ne peut plus avancer comme ça. C'est bon. Pour moi, c'est bon, hein. Mais je tire sur elle par manière. Vous savez, non. Je redresse les partout. Je vais pencher, pencher. Ou bien, vie en chantier. Une fille qui dort 3 semaines. Elle doit se réveiller. Le gars pour travailler, fait coquille poivron. Elle le sait. Parfois, j'ai pour travailler. Il revient le matin, comme il est sorti, comme il est revenu. C'est à peine si elle a préparé tout. Le gars sort de loin. Pendant que Marie, vous avez vu comment Marie, c'est Marie travaille. Elle n'a pas travaillé, papa Fondi n'a pas travaillé. Donc, eux deux là, s'ils ont la vision, dans 5 ans, ils vont être loin. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dors aujourd'hui, tu dors demain, tu dors après demain. Quand tu te lèves, tu as tout fait, tu fais le make-up, tu fais le direct. 3 heures, tu as bois, tu supprimes le direct, tu le dors. C'est quelle vie ça? Tu apprends quoi à ta fille en fait? Et puis quand tu viens parler, lui, elle est ceci, elle est cela. Quand tu mens comme tu respires. On va te dire ça qu'on a pas le temps, tu vas me faire quoi? Quand ça te dépasse, je vais te taper. Tu peux me taper. Ha! Oh. Tu peux me taper, moi. On doit changer le blog là. Oha. 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 Envoyez les cœurs pour le diamant. Voilà une femme. Vous avez dit qu'elle est mendiante. La cutabo, ça a le legs. La cutabo, c'est une avant. Elle s'est fleurée le truc. Elle dit ambassadrice humanitaire. Vous êtes assis. Oh, pour le sang. Oh, elle veut venir arracher. Oh, comme ça. On n'a même pas les mêmes statuts chez la cutabo. Hein. Moi, je suis représentante, s'il te plaît. Et je suis en train de c'est-à-dire représentante dans le but d'organiser une grande conférence à Montréal du Guta Cosmétique. La mésothérapie est déjà arrivée. Hein? La mésothérapie est arrivée, c'est pas le bruit. Vous savez souvent pas les lasers. On vous brûle le laser. La mésothérapie fait le travail du laser lentement, jusqu'à ce qu'on a l'obligation du résultat après. Moi, j'ai suivi la vidéo de la mésothérapie. Hein? C'est pas si vous avez suivi. Vous voyez quelqu'un qui a un bouton ici, il faut que ça parte là. Avant mésothérapie, maintenant, aidez. Vous n'avez pas le laser. Tu sais pas ce que les rayons du laser font après dans ton cerveau après. Ou mésothérapie, le même travail. C'est ce que j'ai résumé. Moi, je résume vite mes choses. Moi, j'apprends vite. I'm first to learn. Donc, voilà ce que nous avons sur les réseaux. Vous avez dit qu'elle va voler le truc. Comme ça que l'affaire de Missunga a été venue, vous avez fait tout. Pour vous. Vous avez raconté. Veuve a pris certainement Missunga poumon maintenant. Elle a attaché les poumons avec les intestins, avec les packs de poulet. Tout, j'ai dit que, hey, j'ai déposé cela sur sorcellerie. C'était comme si quelqu'un va rester à Paris, livrer le Missunga jusqu'à Montréal. C'était ça. Ça a tourné comme ça a tourné, j'ai déposé. C'était même pas moi qui faisais. C'était une maman que j'ai trouvée à Château qui devait faire le Missunga et que quand quelqu'un veut, il mange pour que les gens soient servis. C'est les idées d'affaires. Voilà une dame qui m'a appelé, elle fait les boucles au Cameroun. Je vais lui envoyer les boucles, elle va recevoir, si vous amusez, elle va poster ça ici. Mais dès qu'elle rentre, elle travaille avec ma Fokéa, comment elle va recevoir les boucles au Cameroun. Vous voulez quoi? Dieu vous donne la sagesse, il vous donne l'intelligence, il vous donne le potentiel, vous n'avez pas utilisé. Vous venez, vous voulez pleurer. Vous pleurez quoi? Et quand ça vous dépasse, c'est nous, les femmes entreprenantes, les femmes battantes, dynamiques, avec du répondant, de l'entraînement, c'est nous que vous êtes tellement dire. Il l'an, autant que vous êtes sur vos positions respectives. Je veux dire, vous tout là. Il l'an. Vous comprenez quoi? Vous me faites pécher. Je dois pécher un temps de carême. Demain, c'est vendredi, Saint-Jésus meurt. J'ai péché tout le mois.
Vous maintenant, depuis janvier, j'ai fait un péché à cause de vous. Je suis rentré du Cameroun, enterré mon beau-frère chéri. Vous avez commencé à vous asseoir sur moi. Parce que j'ai refusé de vous aider, de vous accompagner dans la démarche. Toi, tu t'es caché là-bas, tu guettais comme ça. Tu as appuyé ça derrière. Toute la dépouille de ma famille était insultée. Je ne sais pas si on a arrivé sur mon dernier grand beau-frère qui est décédé. On a tout insulté ici. Tu étais là, tu as encouragé. Tu ne dois pas te répondre que j'ai peur de voir que je vais faire quoi. Parce que tu as une team. Hein? Vos teams sont les teams d'Ongoraba. Et réduit ça à néant. Ça ne chauffe pas. Et que j'ai réduit ça à néant. Tu vas me faire quoi? Hein? Franchement. Alors moi, je vous dis, la crème de crème, les leaks de méta, c'est-à-dire que les personnes allumées qui ont le lince, les personnes qui veulent progresser, pas les anti-progressistes, ne reculez devant rien. Ne reculez devant rien pour ce qui est important pour votre avancement et pour votre vie. Je dis rien. Que votre limite soit le ciel. D'accord? Que votre limite soit le ciel. Oui. On n'aura plus le temps à vous gérer. Nous, on va avancer. Ça ne sert même pas avec les piques, hein, parce que c'est la vitesse de l'équipe. C'est qu'il y a trop de choses. Quand elle me lève le matin, je ne vous mens pas. J'ai trop de choses. Je vous ai montré l'autre jour les patchs révolutionnaires. Je vous ai montré les patchs révolutionnaires. Qui encore, ça veut dire on dit non médecine, mais qui règle tellement d'affaires. Et je suis encore en mode formation des patchs. Donc ça, c'est encore une autre dimension de business là-bas. Parlez de quoi? On va rester assis là. Ah, ça là, moi, les hommes, je les aime. J'aime l'amour. Quand les pieds, je regarde les pieds, je regarde les tailles. On ne va pas fondre les couilles. Il a fait 13 ans. Donc c'était papy sister de lui garder l'enfant. Mon style, c'est Otam. Retourne gentiment chez Otam. Mais c'est malheureux. Dans mon téléphone, j'ai ces audios où tu gémis. Lui même t'a déposé. Tu te souviens, non? Il a trouvé Flore au refuge et ton lave à deux. Vous êtes tous malheureux. Hein? Vous êtes tous malheureux. Pitoyable. Personne pour attraper l'autre. Jusqu'à maintenant, on me dit que Otam a envoyé la nouvelle que je laisse son nom, que si je marche, je suivais mes arrêts. Tu es une personne de Facebook. On doit prononcer ton nom. C'est comme ça. Si on doit appeler ton nom, t'appelles. Tu es trop fâché, tu portes plainte. Va aller expliquer ça là-bas. Moi, qu'on a expliqué. Hein? Franchement. Tout a commencé avec Gomopion. Vous avez refusé de stopper l'hémorragie. C'était partout, mais les mois qu'on devait sacrifier. Maintenant, vous essayez d'envoyer des fleurs partout. Vous faites comme si vous voulez caresser partout. Elle vous a vomi en bloc. Parce qu'elle a lu. Elle a essuyé 2 semaines de clash chez vous. Tu n'as rien dit, Tinti. Même pour bloquer. Tu peux même sortir, même en Akonjo, rien. Même en bandite, rien. Mon bordel, à ta belle Wanda Limo. La bordel, c'est l'ami de personne. Tu avais une bordel, tu sais qu'elle était au carrefour de si je savais. Parce que quand elle va te déposer, maman, elle ne rate jamais sa cible, la bordel. Elle est toujours prête pour déposer. Parce que pour une bordel, non, dans une rue, non, elle doit prendre tous les gens. Dans la journée, là, s'il y a 70 messieurs qui passent, elle les prend tous, les autres n'ont rien. Ah, ma bordel, elle n'aime pas cette autre fille. Pourtant, le Seigneur a réparti. Même Zoukemba a réparti. Chacun son bloc, chacun son audiment. Tu passes, ça ne plaît pas, tu passes au lieu de crier les pépettes. Maintenant, j'ai un direct à ces filles. Vous voyez que même les têtes de moi, il n'y a pas beaucoup. Quand ils viennent là, si mon modérateur le voit, on les bloque. Sinon, les commentaires sont, you know, on écrit sujet, verbe, complément. On sait ce qu'on veut. Sinon, on regarde, on se tait. C'est tout. On pas besoin. Ne venez même pas. Moi, j'avais même combien? 10 et je parlais. 20, je parle. Donc, c'est comme ça. Vous avez quitté que vous allez retranscrire. Vous allez retranscrire. C'est-à-dire, chaque fois que j'essaie de vous allez me mettre là-bas. Ça vous a dépassé parce que j'ai l'énergie. Quand prenez d'abord le glutathion. Commandez vos glutathion, hein. Et en passant, les produits de l'autre là, Marie la régie, Ngomopion, où qu'elle représente tes produits, moi j'ai une fois explication, maman. Où qu'elle représente tes produits, maman. Ou c'était seulement pour le mal. Parce que même le père aussi, j'ai quand même besoin comme lui, parce que c'était lui qui était le géré des produits de sa femme. Maman, il n'y a même pas aller. Elle a tout, mais il fait 2 coups, le produit pour laver, le traîner là. Maman, il n'a même pas aller. Je demande. Vous avez vraiment dépensé pour faire les compagnies là, ou bien c'était juste habitué. Vous êtes seulement levé, essayer un truc comme ça. Quand ça se dit que tu as fait qu'à des Meet and Love, Meet and Love se passe dans l'anonymat. Meet and Love ne peut jamais être placé au carrefour. Parce que c'est des personnes qui ont essayé par eux-mêmes d'avoir un homme, une femme dans leur vie, ils n'ont pas réussi. Et la reine mère Bio les accompagne là-dedans. Donc il y a du coaching à l'intérieur. Il y a l'intimité des gens, la vie privée. Parfois on vient sur un cas pour régler, pour l'amener à trouver son contact. On trouve qu'elle n'a même pas guéri des blessures, des relations passées. Il faut d'abord qu'elle guérisse, elle regagne l'estime. Il faut même qu'elle ait un relooking, qu'elle se reprenne en main pour pouvoir maintenant commencer à chercher l'homme de sa vie. Parce que c'est pas un homme dans le lit qu'elle recherche dans Meet and Love, c'est un homme dans la vie. Vous comprenez quoi? Donc on va venir poser son carrefour comme ça. Les intimités des gens. Il y a un contrat de confidentialité qui se signe là-bas, vous savez pas. C'est la publicité. On va venir s'asseoir ici sur Facebook parce qu'on a un rendez-vous. Quand on commence, on pense à vous. On a vu le problème de notre communauté, on veut régler ça. Ça vous dérange à quoi? Toujours à parler. Tu dis que le ménage que tu as pris commence à laver les appartements dans l'immeuble où tu es.
commence à cogner des portes à côté. Voisin, voisin, je peux laver. Je vais travailler. Vous allez voir. J'ai pris ma formation. Comme là. Oye, aïe, aïe, aïe. Depuis là, maman. Tu dors aujourd'hui, tu dors 2 semaines. Tu fumes, tu dors. Mon gars est parti. On fait comment même? Moi, je sors tous les matins, pas travailler. Quand il rentre lundi, mardi, je suis au travail. Oh, qui pleuve, qui vente, qui neige, je suis au travail. Et papa, t'es content sur quoi? J'ai des enjeux, j'ai des projets à court et à long terme. Il faut objectiver dans sa vie. Il aime parler. Il a oublié l'accompagnement, il ne voit plus les produits. Hein. Il ne voit plus les produits. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas facile de trouver un homme pour la vie. Mais ma chérie, tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez? Tout est possible. Il y a des personnes, tu communiques, un contact que tu communiques avec lui, il filme sa partie intime, il t'envoie. Parce que dans les réseaux, les gens envoient les parties intimes n'importe comment. Tout est question de la façon que tu vas trouver pour faire un retour avec lui là-dessus. Et ne pas trop t'arrêter dessus. Et aller regarder si au fond, c'est quelqu'un qui a quand même en dedans. De quoi que tu cherches? Là, le monde dit que Lolo ne peut jamais travailler en France. C'est une insulte à son côté. Je suis belle. Et puis quoi? On manque les uns. Je suis belle. Et quoi qui vient à laver rêve, la rêveuse? Ah oui? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, mon étoile? Oh là là, les démons ont été chassés aujourd'hui du côté des sœurs cribiennes. Oh là là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Aïe, Tata Lolo et sa sœur. Merde, elle est à son magasin. Voilà une jeune femme. Vous savez, écoutez. L'étoile cribienne, là, qui est en train de parler, elle est dans sa boutique derrière, là. C'est son comptoir avec les perruques. Elle a déjà upgradé. Elle a fait au moins 100 pas en avant. Elle est patronne de société. Donc elle peut s'asseoir dans son comptoir. Comme PDG des plantains, avant de finir la boutique des Burundaises, là, manger toutes les prunes et les plantains. Elle était toi assise là-bas pour dire que, Barasange. Elle m'appelait tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle a mangé toutes les prunes au fond de commerce et finit à fermer. On a fermé la boutique. Parce qu'elle n'aime pas rembourser les femmes là. Elle est au moins dans une boutique. Vous voyez, non? L'étoile est dans sa boutique ici. Tu disais souvent. Tu disais souvent, ma petite sœur étoile de Kribi, alors que mon nom de page, c'est l'étoile cribienne. Mais quand tu as eu affaire à ta sœur qui te lave aujourd'hui sur les réseaux sociaux, poil aux aisselles, tu as vu comment tu prononçais son nom avec le goût, non? C'est Dieu qui t'a puni. Je suis contente de te dire ça. En fait, il faut t'en prendre à ta petite sœur quand je te dis cette vérité, sans quoi avec beaucoup de respect. Parce que je vais en venir sur elle. Il faut t'en prendre à elle. Merci. Elle te fait croire qu'elle te protège. Merci. C'est une bonne manipulatrice. Oui, champion. Elle est là pour attiser la haine sur toi. Je dis bien, elle est là pour attiser la haine sur toi. Et à chaque fois que quelqu'un fait un petit live qui n'a pas lieu d'être gros comme ça, elle court pour aller décortiquer, soit disant elle veut te défendre. Non, c'est pour attirer la lumière sur elle. J'ai bien compris. Elle t'a amené sa soeur pour aller aux aisselles. Elle savait que Poil aux aisselles t'avait copieusement insulté. Merci là-bas de Noailles. Elle savait que Poil aux aisselles, la période où Poil aux aisselles m'insultait, Poil aux aisselles t'avait copieusement insulté. Elle va détruire la team de sa soeur, la jalousie. De partager le live. On disait petit sœur de choix, petit sœur de choix, mon œil. Parce que je sens que la fille n'en est pas prête. Parce que je t'ai fait une remarque. Je vais vous expliquer encore cette histoire. Parce que j'avais fait une remarque, je vous explique ça clairement aujourd'hui, mes étoiles. Explique, mamie. Tata Lolo sur la toile, c'était la blogueuse que j'aimais énormément. Mais tu nous as déjà dit ça, oh. Quand j'étais son amie, là, ou sa petite sœur, là, je n'allais jamais sur les pages des gens qui l'insultaient. Je dis bien jamais. Je n'ai quand même commenté. Si elle me disait seulement que la personne s'y m'a insulté, je ne regarde pas la personne, même si je n'entre pas. Par solidarité pour elle, par respect pour elle, je dis que non. Rêve est jalouse de Tintin Pantalon. Binda est jalouse de Tintin. Binda veut devenir star avec mon pion. Par respect. Elles ont hypothéqué la team de Tintin Pantalon. Où je constate, parce que vous les suiveurs là, vous êtes sur les réseaux là, vous aimez toujours venir entrer dans les choses où vous ne comprenez rien.
Mes problèmes avec elle commencent comment, mes étoiles? C'est que je me rends compte que toutes les personnes qui sont derrière elle, que toutes les personnes qui sont avec elle, attendez un peu. Bientôt, vous allez chômer, le nom de Tata Lolo ne va plus vous faire nourrir pour un moment. Georgette, si c'est Eike. Oui, c'est une Lolo Magnon. Réponds d'abord vite fait. Réponds vite. Avant Facebook, regarde-moi bien. Avant Facebook, je suis maman de 3 enfants. Oui, regardons la maman. Avant Facebook, j'ai les fiches de paye en France. Avant Facebook, je suis super au-dessus Airbnb. Demande aux gens ce que veut dire super au-dessus Airbnb. Je suis rentière avant Facebook. Je ne gagne pas beaucoup. Je te dis simplement qu'avant Facebook, je suis rentière sur Airbnb. Je vis d'abord de ça. Avant Facebook, j'ai été commerciale. Il faut bien que tu mettes ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est une femme qui travaille beaucoup. Elle a même fait les ménages, elle avait sa voiture quand elle est venue. Avant Facebook, je ne suis pas célibataire. Avant Facebook, sans le nom de Tata Lolo, je suis l'étoile cribienne. Pendant Facebook, sans le nom de Tata Lolo, j'ai 300 000 abonnés. Parfait. Pendant Facebook, sans le nom de Tata Lolo, j'ai 400 000 abonnés sur TikTok. Pendant Facebook, sans le nom de Tata Lolo, je suis chef d'entreprise. Bravo. Pendant Facebook, sans le nom de Tata Lolo, je paye mes impôts. Je paye mes taxes. Tu comprends un peu? Je me fais un salaire. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que la vidéo que tu veux dire ici, là, qui me nourrit là, avec le nom de Tata Lolo, je peux finir mon live, le temps que les gens enregistrent, je le supprime. Ce qui veut dire que si ça va me donner 20 euros, que peut-être toi, tu n'avais pas. 20 euros ne sont rien pour moi. 20 euros, c'est ce que je mets dans les cagnottes pour aider les gens. D'accord? 20 euros, c'est quoi? Waouh! Elle a fini avec elle. Aïe! Si tu as faim, tout le monde n'a pas faim. On ferme Facebook aujourd'hui. J'ai été à l'école. C'est tout, ma chérie. J'ai une formation professionnelle. Alors? J'ai un parcours professionnel. Ça veut dire que ça se ferme aujourd'hui. Je ferme ma boutique. Moi, je pars déposer mes CV pour travailler. Alors, voilà une femme. Et on va me recruter. C'est parce tout. Que mon CV, envoyez les cœurs. Il est bombé. Le parcours professionnel est nickel. Merci. D'accord? Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête. Comparé à Tintin Pantalon. Tata Lolo te nourrit peut-être toi-même, ne me nourrit pas. Merci. D'accord? Parce que pour nourrir quelqu'un, il faut d'abord se nourrir soi-même. Merci. Et laisser la place pour les autres. Donc, parle pour ta main, pas pour moi. Parle pour les mendiants, je ne suis pas mendiante. Vous n'avez jamais vu lancer un litchi sur la toile pour vous demander un centime. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jamais. Et je ne pense pas que ça va arriver. Tous mes projets viennent de ma poche. Vous n'avez jamais vu un litchi sur ma page. Donc tu traites qui de mendiante? Tu n'es que qui attend vivre avec l'argent de Tata Lolo. Lequel? Tu crois que quand on fait le live comme ça, ça donne quoi? 100 euros? Tu crois qu'on va gagner 600 euros? Tu veux que je te montre les salaires que je me suis fait sur Facebook rien qu'avec les débats politiques? Faut pas mélanger les gens. D'accord? Hey. Il faut laisser les gens verser leur colère. Préférer quelqu'un qui, quand il est fâché, dit ce qu'il pense. Qu'un hypocrite. Je vendais le ndongo avec ta mère, ton père, toute ta famille. Effectivement. D'accord? Et c'est bien que tu t'en rappelles de ça parce que seul un vendeur... Waouh! Waouh, waouh, waouh. C'est grave. Allô? André? Allô, Ni? Maman, quelqu'un dit qu'il ne faut pas que Oshiga voit le direct. Oshiga va faire quoi si elle voit le direct? Quelqu'un dit que Oshiga ne doit pas avoir de direct. Oshiga va faire quoi si elle va le direct? Comme c'est l'étoile qui vient, qui est son ennemi qui parle. Et ne m'amenez pas. Je ne suis pas dans une réunion de quelque chose pour retranscrire ceci de l'autre et pas de l'autre. Ne m'amenez pas à vos choses là. Je ne suis pas dans une réunion de quelque chose. Je retranscris l'étoile qui vient parce qu'elle a lavé Tintin Pantalon et ça. Ce sont les filles de Kribi. Et comme Tintin parle qu'elle est Bamileke, parce que n'oubliez pas, Tintin a dit que les Bamileke, c'est la partie là qui n'est pas bien. Que sa soeur, Yam soeur, Flore, la Bamileke et les Bamileke, que de la toile sont jaloux. Est-ce qu'on parle comme ça? Comment tu peux faire des liens inimaginables comme ça? Vous dites qu'il ne faut pas que Oshiga voit, parce que Oshiga va faire quoi? Quand elle dit poil aux essais, Oshiga. Quand elle partout, elle dit, comment elle appelle?
La petite sœur de Jésus, c'est l'étoile. Quand moi je dis chasseuse de démons, c'est l'étoile. Voilà le problème. Il y a quelqu'un qui a un problème avec quelqu'un là-dessus. Je vous ai expliqué, l'étoile a dit toujours que je n'étais pas une personne. Est-ce que j'étais fausse? Je n'étais pas là de donner un mot là. Et je lui ai dit, j'ai fait un direct il y a 2 jours, j'ai expliqué ça. Quelquefois arrêter, c'est toi-même qui as voulu que un camé revienne sur toi. Tu as lavé au Shiga. Pendant que j'étais dans le direct, au Shiga est monté, tu es parti, au Shiga, toi aussi lavé. Donc, c'était game to back. Pardon? Et c'est au Shiga. N'amenez pas vos choses, n'aime pas ça. C'est ça que vous commencez. Et après, ça devient des problèmes. Moi, je partage parce qu'elle est en train de laver Tintin avec sa soeur. Là, je vous ai dit que la rêveuse a détruit la team de Lolo. Gratuitement. Je vous ai dit ça. La rêveuse a détruit la team de Lolo. Elle a fait sa propre. C'est bien ça, l'étoile. Je suis avec toi. Il faut les laver. C'est comme ça. Je vais couper ma base sur celle-là et poser. Surtout la partie où on dit que j'étais là. C'est bon à moi. Vous allez vous étoiler, tu dis que tel te dépasse. Voilà, je vais le mettre. Vous allez donner 10 points. 10 points. Et s'il vous plaît, je n'ai pas touché le blog. Hein, parce que dans le blog, pour se monétiser, je me suis monétisé toute seule. Le revenu de Facebook que j'ai, elle ne peut pas atteindre mon revenu. Parce qu'elle est monétisée sur Youku. Donc les Youku ont les donné les 5 ans. Ils sont calés avec leur page 5 ans. C'est pour ça que tous les jours, ma page est ceci. Et quand elle vient se connecter, comme elle ne peut pas avoir un contenu limpide et fluide, on la bloque. On la bloque, on la lève directement sur les réseaux. C'est pour ça. Moi, je suis ici. Moi, je suis en 15 000 abonnés, même pas. J'ai bloqué 60 000 personnes. Propre, ça ne me chauffe pas. Mais, j'ai fait mon blog tranquille. J'ai mon travail. Femme de carrière, professionnelle. J'ai mes business, mes quand choses que j'ai fait. J'ai le blog qui me nourrit maintenant. Avant, ce n'était pas ça. Et même quand ce n'était pas ça, il répondait. Je n'ai pas laissé. Je n'ai pas laissé qu'on salisse mon honneur et mon intégrité en aucun cas. Monétisation, ça fait 2 ans. Je suis sur Flore depuis 6 ans. Et Toto Tonga est sur moi depuis 9 ans, 8 ans. Affaire de Fatoula, ça fait 9 ans que Toto Tonga a dit. Mon mari qu'elle a délogé, maître à Toronto, ça fait combien d'années que Toto Tonga a dit ça? Je suis toujours sur, mais il n'y a même pas la monétisation. Donc arrêtez vos conneries que vous poursuivez les étoiles. Ceux qui veulent donner les étoiles donnent. Ceux qui ne veulent pas passent leur route. Ça ne chauffe pas. Et on ne peut pas. Même les riches multimilliardaires cherchent toujours l'argent. Tu vas voir que photo, on va dire qu'il y a feu papa photo là. On va dire qu'il y a la lumette, il est là. On dit le savon, il est là. Le sucre, il est là. L'huile, il est là. Je sais pas moi. Les immeubles à construire, il est là. Les ceci. Tu as vu un homme d'affaires ou quelqu'un qui fait le business s'arrêter. Le jour qu'il s'arrête, il est mort. Il est mort qu'on va l'enterrer. Ça avance, ça bouge, ça fait des choses. C'est comme ça. D'accord? Donc prenez de la graine. Prenez de la graine chez les gens. Voilà l'étoile. Elle vient de donner son extrait de casier judiciaire. Elle vient d'expliquer tout ce qu'elle fait. Oui. C'est comme ça qu'elle vient d'expliquer tout ce qu'elle fait. Moi, associé à ce sujet, maman a 2 avions. Je suis une promotrice événementielle. Je touche ton événement, ça réussit, ça ne chauffe pas. Je suis une, ça dit que chevronnée. Event planner chevronnée. Ce n'est pas des choses qu'on parle de l'idée à sa réalisation. Et je suis passionnée qu'elle fait les choses. Je brille de ma présence, je brille de mon absence. Tout ça fait partie de mon. De tout ça, c'est mon pedigree, mon background, mon palmarès. Vous voulez quoi? J'ai oublié quoi? Faut arrêter. Faut arrêter vos. Et je suis à Paris. Moi, pas à Paris. Maintenant, à Paris. Je suis à Paris. D'accord? Donc, vous qui dites que tu es du Paris, vous devez être même fier que des gens comme nous, comme ça, on quitte un peu l'Amérique, on ne vient pas à Paris. D'être fier. Je suis citoyenne du monde. Nous avons le droit de m'interdire nulle part sur la terre. Franchement. Ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier, merci. Elle a bien dit que son magasin se ferme. Facebook n'existe plus. TikTok, parce qu'elle a 400 000 abonnés à TikTok, 300 000 abonnés sur Facebook. Tout ça n'existe plus. Elle se dirige. Faire son CV et déposer. Oui, ou bien créer encore une autre société. Soyez proactif, soyez polyvalente. Mais qu'est-ce qui vous empêche en fait? Ah ouais, c'est vrai, vos passés. Vos passés de merde vous rattrapent. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Pendant qu'elle cherche à escroquer les ailes de poulet à Achille. Ils ont enregistré Achille ici sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Achille était comme la chair à saucisse. Peut-être c'est même eux qui ont fait qu'ils ne prennent même plus la fille là qui est au Cameroun là. Celle qui se le soit souvent insulte des heures, je vois, même, elle n'a même jamais vu. Ah bah, moi, on est tous nous-mêmes, mais dis donc, il faut se battre. Ne recule devant rien, sois au bon endroit, au bon moment. Utilise toute saisie, toute l'opportunité qu'il y a à toi, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est tout. Nul ne s'en sortira vivant. Qu'on ne vienne pas te traumatiser, t'embrouiller, t'empêcher de faire usufruit de ce qui s'apprésente à toi, de ton espace, avec des mots et des injures. Les injures de Facebook ne peuvent rien changer sur ce qui est. J'ai donné seulement 10 points. Regardez elle. Ce qu'elle a dit là, Tintin Pantalon, vous l'évaluez dans quoi? Sa monétisation, c'est Youpougan. Elle ne connaît même pas. C'est elle a quoi en fait? Vous l'évaluez dans quoi? Franchement. Faut laisser ça. Faut arrêter. C'est toujours en train de vouloir coller les têtes. Faut que on lève les gens maintenant. Les gens sont déjà intelligents. Moi, j'ai compris Facebook aussi depuis que j'ai commencé. Que je bloque sans pitié. Je ne suis même pas. Je bloque ce mec, bloque ce mec, bloque ce mec. Mais il reste avec 10 personnes. Je sais parce que la récidive est très grande.
La probabilité pour qu'ils récidivent est très grande. Parce que c'est leur style de vie, c'est leur comme ça. Ils ne connaissent pas faire autre chose que foutre merdier là, que la merde qui donne aux gens là. C'est sombre personne. Alors, donc, je vous ai présenté les boucles. Moi, je vais devoir partir parce que voilà, je vais un peu passer du temps encore avec ma peau avant qu'elle aille se coucher. Je vous aime bien, mais voilà, je dois aussi appeler la guide d'abos, là. Voilà, pour qu'on évalue tous les programmes pour demain et tout ça, là. Voilà, c'est un peu ça. Alors, voilà. Oshiga est là. Oshiga. Est-ce que Oshiga est là? Je ne vois pas. Ah. Okay, elle m'appelle, mais je ne peux pas prendre comment. Qu'est-ce qui se passe avec mon WhatsApp? Maman, on dit que tu es là, que comme j'ai mis la vidéo de toi qui parle, que ça va se passer comment? Oh, je suis gay même là. Oui, allô? Allô, chérie? Ouais, ma âme sœur. On dit que maman... Réseau, là, on ne rien. On dit que vous au téléphone. Moi, j'ai un problème réseau, on dit. Mais où est le problème réseau? Où est le problème réseau? Ma soeur là qui m'appelait. C'est ça, Oshiga. Comme j'ai mis l'extrait de vidéo, on dit que Oshiga va comprendre. Ça va faire que. Hé! Obito, si, obito, même vengation. On m'a dit que. Ah, tu ne t'es pas trop bien, c'est tout. Sa soeur, Bamileke, Ngoyi, et elle ont fait la paix. Parce que les gens ne voulaient pas l'inquiète, ne voulaient pas que les Bamileke. Ça, là, c'est quelque chose. Peut-être que c'est à partir de là que ça a choqué la cribienne. Je ne sais pas. Ou alors, c'est à cause de la rêveuse Mbinda. Je ne sais pas. Mais elle a donné un extrait de cachet succès de sa personne que j'apprécie. Vous! À travailler, à laisser les empreintes sur terre. Ayez une grande fiche de vos différents, hein, votre extrait de casier judiciaire de quelque chose que vous êtes capable de faire. Oui, oui, oui. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que l'étoile a séché. La partie devait poster ça sur mon mur que tout. Mais c'est bon à moi. Très bon à moi. Ça s'est même coupé parce que ma âme sœur m'a appelé. Parce que j'avais fini de suivre ça. Elle a cité. C'était bon. Oui. Rêve Mbinda, c'est parce qu'elle a fait. Elle dégame tellement. Sa soeur est sortie, lui dit, n'insulte plus. Diamant bleu. Elle continue. Ok, en 2000, quand on a commencé 2024, elle a dit que zéro clash. On est où aujourd'hui? Elle a clashé jusqu'en... C'est plus bon. Mbinda. Mbinda a clashé, fatiguée. Elle est où sur le diamant? Sa soeur est même envoyée. Sa soeur dit que non, sa soeur... Elle, d'abord, elle écoute même d'abord sa soeur. Elle écoute plus Ngomopion que sa soeur. Elles ont créé une alliance pour la... Pour la où ça donne quoi? Parce que depuis que vous avez insulté, vous avez vu ça changer quoi? Parce que je me dis, tiens, je me dis, tiens, je me dis, même fais ton tas. Moi, je vais ici, moi, ma médecine. Depuis que vous clashez, ça a changé quoi? Rien du tout. Donc, arrêtez. Ça donne rien. Arrêtez. Oui, oui. Franchement. Je lui ai donné 5 minutes pour les questions, puis moi elle est partie. Je ne sais pas pourquoi elle fait que m'appeler, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à bloquer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.